Il a été longtemps question de porter un masque pour faire du sport en intérieur. Mais Roxana Maracineanu, la ministre déléguée au sport, a annoncé qu'il ne serait pas obligatoire. Pourtant, plusieurs entreprises ont déjà élaboré des masques adaptés à la pratique sportive. Alors, qu'ont-ils de différents? Comment sont-ils fabriqués? Reportage à Dardilly d'Arthur Blay. Dans cette usine de Dardilly, des masques dédiés à la pratique du sport sont fabriqués depuis déjà plusieurs semaines. Afin de les concevoir, il a fallu respecter des critères de perméabilité et de respirabilité, mais pas que. Pour les masques de sport, le test qui est supplémentaire, c'est vraiment que l'oxygénation soit suffisante, voire même égale lorsqu'on ne porte pas de masque. Donc ça, le seul moyen de le faire, c'est en faisant des tests pratiques, avec, notamment avec des professionnels sportifs. Ces masques sont conçus pour garantir une meilleure respiration lors d'un effort physique, un équipement qui se veut facile d'utilisation dans les salles de sport. Une première version de ce modèle a déjà été testée sur les pistes cet hiver et d'autres clients se sont manifestés. On a eu des demandes de la part des salles de fitness, des salles de sport, pour travailler sur une protection. Et c'est comme ça qu'est né ce modèle, avec une baleine qui permet de décoller le tissu de la bouche. Et si ces masques pour le sport rencontrent le succès, l'entreprise ouvrira des postes pour répondre à toutes les commandes.